excellente question et qui fait partie de notre ADN, souveraine, locale, éco-responsable, justement, en diversifiant d'une part par la répartition territoriale, où aujourd'hui on ne se focalisera pas sur 2 villes en France uniquement, mais 12 villes à horizon 2030, et également d'une part une différenciation par la taille, où on ne sera pas un gros data center de 20 000-30 000 m², mais sur des formats faciles à intégrer dans le paysage urbain, entre 5 000 et 7 000 m². Effectivement, c'est une très bonne question et qui constitue justement l'avantage principal du modèle Nation Data Center, qui est neutre sur un plan de vue télécom et infogérance. Donc on n'impose aucun opérateur ou aucun prestataire de service à nos clients et on leur loue des mètres carrés et des kilowatts selon une durée qui est à leur main. Et donc chaque contrat est unique comme nos clients ou nos utilisateurs, et donc on donne la garantie nécessaire par rapport à nos utilisateurs, et donc ils peuvent bénéficier des avantages immobiliers d'être locataires selon la durée qu'ils veulent, et donc avoir les avantages d'être chez eux en étant dans notre data center et sans en avoir les inconvénients sur l'absence de mutualisation de réseaux de chaleur, l'absence de mutualisation des services sur place et l'absence de mutualisation des arrivées de fibre optique, parce que les data centers de colocation ayant une plus grande diversité de clients arrivent à attirer beaucoup plus d'opérateurs et donc d'avoir un peu plus de fibres que d'être isolé dans un petit data center. C'est la raison d'être principale d'une externalisation dans un data center de colocation comme le nôtre, et comme l'illustre aujourd'hui le data center bancaire que nous avons à Val-de-Reuil, que nous convertissons en data center de colocation, où on met en place du gardiennage 7 sur 7 H24, des certifications de sécurité ISO 27001 HDS et des résiliences énergétiques, climatiques de nos infrastructures au plus haut standard du marché.